Ça fait longtemps que tu n'étais pas revenu, Katiba. Tu sais, comme à la Casbah, je n'ai pas retrouvé l'atmosphère de notre maison. Il manque de ce quartier, de mon quartier, de la rue Galéba. Des témoins sur les traces de leur enfance. Ces Algériens musulmans étaient trop jeunes pour prendre part à la guerre d'indépendance de leur pays. Mais ils se rappellent de la violence et aussi de la fraternité qui prévalait avant entre les communautés musulmans, juifs, chrétiens, cohabitant dans un même pays. Mon Dieu, c'est pas possible. Quel état ? Dans son nouveau film, Jean-Pierre Liedo part à la recherche de son monde disparu en 1962. C'est beau Alger. Cette multi-ethnicité, moi je l'ai vécue au quotidien. Ensuite arrive l'indépendance, partent les juifs, les pieds noirs, la majorité, mon père reste, et je me retrouve donc dans une Algérie qui a été amputée, si on peut dire, donc d'une partie de sa population. Et en même temps, on ne va plus parler de ça. Ça devient un sujet tabou, c'est complètement refoulé, y compris par moi et par tout le monde. Avec un père d'origine espagnole et une mère judéo-berbère, le réalisateur est un Algérien atypique. La première de son film à Paris a un goût amer. Il voulait le montrer d'abord en Algérie, mais pour le moment n'a pas reçu d'autorisation. Le titre du film, Histoire à ne pas dire, est justifié. Jean-Pierre Liedo interroge les limites de la violence que doit se donner une guerre juste, une guerre de libération. Au fil des témoignages, semble se dessiner une volonté programmée de faire fuir les non-musulmans, aboutissant à un exode massif vers la France. Un mouvement nationaliste, finalement, ça fonctionne sur des critères ethniques ou religieux, ou ethniques et religieux. Et l'ennemi, c'est l'autre, celui qui n'a pas notre gueule, celui qui n'a pas notre religion, celui qui ne fait pas partie de notre ethnie. Et j'espère que ce reflet que va donner le film aux gens en Algérie va permettre justement de commencer un débat. L'approche de Jean-Pierre Liedo est délibérément subjective, mais son questionnement est universel, tant la violence entre communautés reste d'actualité en de nombreux endroits du monde.